kept you waiting, huh? Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit concept de vidéo, on se retrouve sur Rainbow Six et aujourd'hui, vous allez vous placer dans la peau du requin. Je vais tout simplement essayer de vous faire un commentary sur une ranked en live dans un beau petit montage pour vous aider à comprendre comment je joue, quel déplacement je fais, tout ça. Je trouve que ça peut être intéressant, je trouve que ça mérite un coup d'essai et puis allez, c'est parti, on arrête de discuter. Alors certes, j'ai perdu du poids à cause de la rupture, mais regardez ça, le biceps est toujours là. Il est toujours présent. Oh, le beau bibi. Bon, j'avoue, ça fait un peu égocentrique comme ça. Mais c'est pas du tout le cas. Je suis content, je me lisse, je m'affine, je suis bien. Je commence à être bien. Ça fait... C'est bizarre ce que je dis. Putain, cette webcam, elle me fait une tête tellement étrange. Je suis pas comme ça, en vrai. Je suis vraiment pas comme ça. Là, je suis en train de regarder le retour de caméra. Et j'ai l'impression d'avoir 46 ans sur cette vidéo. Alors que j'en ai que 23. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il serait vraiment temps que j'évolue au niveau matériel. Hein. Cette caméra me dessine des rides. Moi, c'est une bonne projection sur ce que je risque de devenir plus tard. C'est intéressant. Non, putain. Ça fait 5 bonnes minutes que j'attends pour ça. Je déteste cette map. Bordel. Oh. On va faire ce qu'on peut. Hein. Bon, alors en défense, qui c'est qu'on va prendre? Alors, je vais sélectionner un personnage, je vais pas dire au hasard, parce qu'on a toujours besoin d'un Jagger, par exemple. Exposition bureau, vous êtes sérieux? Vous voulez... karaoké, salon de thé, ok, on est d'accord. À la limite, là, je pourrais jouer un petit peu sur une Mira. Ouais, plus une Mira qu'un Jagger. Let's go. Donc, je vais commencer tout de suite par renforcer le petit geisha sur le mur arrière. Je vais y mettre un Mira d'ailleurs. Pour éviter que je me fasse percer. Le Mira. Il n'y a rien de subjectif là-dedans. Je vais renforcer ici pour que je puisse jouer à cover aussi. En espérant que je me fasse pas fuse. Merci pour le bandit, mec. Ça, c'est cool. Thanks, bandit. Hop. Et on va le mettre là pour pouvoir avoir accès à Gong. Ouh. Et je vais tout simplement jouer dans Geisha. Je vais leur faire une surprise. On va préparer la fenêtre. Comme ça, le premier qui met un coup dedans, elle casse. Et j'aurai directement accès à l'extérieur. Il y en a un qui est contact là. Je l'entends. Ça va ou quoi, Jackal? Un montagne. Allez, moins un. Et j'ai une injure. Je sais. Hop là! Je laisserai pas le reste, ton ninja. Évite de me gazer. Et c'est une manche qui est relativement bien exécutée. Un seul mort. On a gardé l'intégrité de l'équipe. C'était bien, c'était beau, c'était propre. Et on en quitte avec un petit double kill des familles. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, obligatoire. Donc moi j'ai fait mon boulot. Vraiment, Geisha, c'est un point essentiel qu'il faudra garder dans ce genre de situation. Je pense que si là j'avais perdu Geisha, j'aurais pas forcément été très très bien. Donc là, j'ai la fenêtre B tout de suite. Je vais juste placer une clé mort. Une clé mort ici. Et je vais faire sauter ça là. Twitch, can you help me to get in there? Je vais juste essayer de rester en vie un petit peu. J'ai toujours ma clé mort là. Je vais reprendre mon drone. Nobody on B. Nobody on B. Et on va essayer de la sortir, cette putain là. Hop. Et on va planter. On va planter. She's in the stairs. Interrogating. For sure.
elle peut remonter ou par ici ou par derrière. Moi, je vais garder ma ligne ici, je suis bien. Good job, et c'est un petit 3-0 impeccable des familles. Vous voyez ce petit timing, ces techniques, les clés mortes, tout ça. Et j'ai la chance d'avoir des alliés qui sont relativement bons quand même. Donc lui, apparemment, il est à la droite. Moi, je vais garder la gauche. Merde, j'en ai eu un mais pas le deuxième. Only one on the site, the other one is down. Oh là là, potato chip aim, je le voyais pas. J'ai essayé, j'ai pris shoot. Bah oh, au moins je l'ai eu. Allez, vous pouvez y arriver. Tranquillement. Bien wesh. Nickel. Impeccable. Donc c'est clairement pas ma meilleure partie, mais c'est une partie qui se passe bien. Tout le monde fait son travail, c'est nickel. L'autre, j'ai réussi à le sortir, je suis très content. Mais je pensais que je pourrais avoir la IQ. Mais je sais pas si vous avez vu, toute cette masse orange m'a un petit peu dérangé autour. Je me suis senti choqué, déçu. Vraiment. Donc je vais reprendre Termite. Je vais peut-être jouer à l'holographique là pour le coup, parce que il risque de reprendre la même place et je me suis senti gêné à la COG là. Donc cette fois-ci je vais prendre l'holographique et vous allez voir, on va se mettre bien dans l'ambiance, tout ça. Je dis pas que je parie sur la même chose, mais il y a de fortes possibilités qu'ils reprennent un petit peu ce site là. Il y a moyen, je pense. Salonté Geisha, c'est ce qui est le plus pic, c'est ce qui est le plus simple à défendre. Il y a aucune raison qu'ils reprennent pas ça. Et voilà, les prédictions du requin étaient les bonnes. Donc comme d'hab, je vais cacher un drone dans le coin, on sait où sont les deux. Lui, il renforce de l'autre côté, donc le Mira, il va être lésé. Il y a un castle, il y a un... Fuis. Impec. Je vais laisser mon drone là. Au moins, il y a un pulse là-dedans, voilà. Putain, la hache et le rush, elle a pas le temps. Hein. J'ai pris la ligne, je suis dedans. Je vais récupérer ma clé mort, je vais essayer de la reposer. Come at me, guys. Oh là là, mon gars, mais n'importe quoi! Oh là là! Bon bah voilà, finalement c'est quand même une bonne partie! So, here's the first! I am the first! Who can challenge me? Ok, lui il est diamant. Ah! Ok. Bon et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée en tout cas autant que moi. C'est un concept que je trouve plutôt intéressant, qui pourrait aider les débutants et les joueurs intermédiaires. Donc voilà, je suis pas un professionnel, mais on est enclin à le devenir, on est en train de, voilà, d'essayer de s'accommoder, tout ça. Je trouve que je vous ai proposé un gameplay relativement propre, c'était du beau jeu, on est tombé sur une bonne équipe, ça m'a fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner les gars. C'était White, ciao tout le monde, peace.